Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement regardé la première vidéo du premier roulage un peu dans la douleur de la XJR que je vous invite à revoir si vous le souhaitez. Et vous avez peut-être aussi suivi le premier épisode des réparations de cette moto. Donc aujourd'hui c'est le deuxième épisode, il y avait plein de choses qu'il fallait revoir en même temps. Pour que ça soit pas une vidéo trop longue et trop barbante, et je suis allé volontairement assez vite sur certains sujets parce que sinon ça serait une vidéo de 2 heures. Je prendrai le temps de faire plus tard des vidéos plus techniques sur un sujet bien spécifique, un peu comme ce que j'ai fait pour le récepteur d'embrayage. Ça sera plus cool, ça permettra d'avoir vraiment l'histoire un peu rapide du projet de la XJR et des sujets plus techniques en parallèle. Volontairement également, vu que le montage était déjà très complexe, c'est assez dur de se repencher dans des dizaines et des dizaines de fichiers vidéo de plein de petits sujets qui sont compressés sur quelques jours de travail. Tout en essayant de remonter ça un mois plus tard, c'est vraiment compliqué. Donc je vous fais du coup cette petite vidéo sur la fin des réparations et je vous promets, dans quelques jours, sort la vidéo du premier démarrage et du premier roulage. Et croyez-moi du coup, spoiler alerte, ça s'est pas aussi bien passé que ce que je l'aurais cru. D'ailleurs, si je suis encore habillé en cosmonaute aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai toujours des choses à voir avec cette moto, donc il y a forcément plein de vidéos qui vont suivre. Du coup, si le projet de la XJR vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me permet de voir que ce projet plaît. Considérez à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir aussi pour le référencement. Et puis ça montre que vous vous intéressez au projet et que la vidéo vous intéresse. Dites-vous en tout cas que cette moto, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis en train de préparer ce qu'il faut pour sortir le moteur. Donc sortir le moteur, en gros, il faut le faire tomber. Hein. Parce qu'il va falloir faire plein de choses, que ce soit la peinture et tout le tralala. Mais surtout, il va falloir vérifier beaucoup de choses à l'intérieur. Parce que je pense que... il y a encore des petites surprises qui nous attendent. Donc, je vous dis à la prochaine et bonne vidéo. Bon, la checklist. Carbu à revoir. Ils sont nettoyés. Il en reste qu'un à nettoyer parce qu'il faut que j'enlève le TPS avec le bon tournevis. Et ensuite, j'attends ma commande de pièces pour les remonter et on est bon. Les pipes d'admission, c'est commandé. J'attends qu'elles arrivent. Le robinet de réservoir, c'est corrigé. On vérifiera ce soir s'il y a de l'essence ou pas. Le jeu de soupape, je fais ça demain. La compression, ça sera après le premier démarrage. La boîte à air, elle est nettoyée. Synchro et réglage, ça sera après. Cap d'accélérateur, je viens de le recevoir. Vidange et filtre, c'est fait. Donc on est quand même pas mal, mais globalement, bah, il faut qu'on attende quelques réceptions de pièces. Bon, il y a un truc qu'on peut vérifier aussi en attendant que je reçoive les pièces. Pour finir de remonter la moto, c'est de vérifier tout ce qui est allumage. Donc allumage, il y a plusieurs sujets à vérifier. Le premier truc à vérifier, c'est les bougies. Il faut vérifier les antiparasites, les 4, et les bobines d'allumage. Alors dans les grandes lignes, les bougies, il faut vérifier l'état de la porcelaine, aucune fissure dessus. Et ensuite, on va vérifier l'écartement des électrodes. Donc dans le manuel, celle-ci, il faut qu'elle soit à 0,8 ou 0,9. On va vérifier ça. Donc vous utilisez les jeux de cale que vous utilisez pour les pastilles de soupape et vous mesurez. La couleur, logiquement, elle est censée être plutôt brune, brune, grisâtre, enfin, pas noire, pleine de dépôts comme sont les miennes. Donc celle-là, déjà, il y avait clairement un problème de mélange, sans surprise. Donc, je vais bien les nettoyer, je vais rattraper les électrodes et j'ai déjà vérifié la porcelaine. Elles sont toutes en bon état. Ce sont toutes des NGK de même référence. Donc ça va être pas mal. Les antiparasites, il faut les enlever et mesurer la résistance du fil. Et je vous donnerai les valeurs dans le bouquin. Et ensuite, les bobines d'allumage. Donc il y en a deux par cylindre. C'est comme la BMW. Il faut les vérifier physiquement. Pas de fissure dessus. Et ensuite, il y a deux contrôles au multimètre à faire pour savoir si elles sont encore dans les clous ou pas. J'espère que oui. Donc on va commencer par les bougies. Alors le mieux c'est de faire ça si possible sur fond de machine à laver et de sèche-linge, ça donne un fond sonore qui est toujours amusant. Alors on va sortir le jeu de cale. Donc écartement des électrodes 0,8 ou 0,9. Là clairement je pense qu'on est... ah, on n'est pas sur un millimètre quand même. Alors 75. Là j'ai 0,90. Hey, 0,90 c'est bien, ça passe pas. Il est où le 10? Là on est sur 85. Ouais, je pense qu'on va être bon, hein. On va être à 4,080. Ouais, on est bon. Donc celle-là elle est bien 0,80. Après vérification des 4, en fait elles sont toutes ok. Et c'est normal, elles ont été en fait changées très récemment vu la facture.
Donc là maintenant on va regarder les bobines d'allumage qui sont ici. Alors je pense qu'on pourrait faire les mesures sans les virer, hein, mais en fait si je veux les vérifier esthétiquement et en profiter pour les nettoyer, je pense que c'est pas un mal. C'est... Alors c'est pas comme la BM c'était carrément des câbles qui se débranchaient. Là je vois que c'est plutôt les embouts. Ça c'est une bonne nouvelle, déjà elles sont pas abîmées. Elles sont pas fendues ni rien, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va mesurer les valeurs. Et il faut que je nettoie ces petites pièces là. Tout ça là c'est rouillé, c'est un truc de ouf. Alors que je me renseigne, parce que c'est pas comme la BM où on pouvait les enlever les antiparasites. Alors ils disent dans le bouquin qu'il faut changer les embouts quand ils sont pas bons, mais j'ai pas trop envie de tirer dessus, je vois pas trop comment ça s'ouvre. Je vois que ce capuchon là s'en va. Alors à moins que bêtement ça se dévisse. Spoiler, oui, ça se dévisse. Totalement possible. Donc je vais peaufiner ça. Il y a deux circuits à tester dessus. Il y a entre les deux. Alors résistance de la bobine d'allumage. La procédure s'applique à toutes les bobines d'allumage. Raccordez le multimètre en ohm à la bobine d'allumage comme illustré. Il doit y avoir entre 1,9 et 2,9 ohms à 20 degrés. Moi je suis à 2,7. Mais il fait pas 20 degrés. Donc sur papier on est dans la tolérance. Et ça là ça a l'air d'être entre les deux antiparasites. Je pensais que ça se mesurait ici, mais en fait non. Entre 9,5 et 14,3 kilo-ohms à 20 degrés. Donc on va se mettre sur nos 20. Et on va mesurer ça. 29,4, ça paraît beaucoup. On va faire exactement la même chose sur la numéro 2 et on va voir. Dans tous les cas, je les ai changés quelques jours plus tard par des 5 kilo-ohms. On fait la même sur les 8 vis en faisant bien attention à ne pas les abîmer. On dégroche aussi le radiateur d'huile, ce sera plus facile, et on pense à enlever les deux cornets qui permettent de souffler l'air sur le bloc. Voilà. Ça c'est le refroidisseur d'huile. Ok, les cornets. Faut tirer. Il se déslote. Ok. Pétard. Tout le loin qui est en train de se barrer. Si vous n'avez jamais fait un jeu de soupape, la manip est assez simple, elle est juste un petit peu longue. Avec un jeu de cale, on va mesurer l'espacement entre la cam et la pastille de soupape pour chaque soupape et on le note sur un papier ou sur le tableau. Le but, c'est de se rendre compte après si certaines pastilles doivent être revues ou non pour être dans les tolérances fournies par le constructeur. Donc, admission. Pour du coup corriger le jeu, il faudra retirer la pastille et la changer par une pastille d'une épaisseur différente pour combler l'espacement. Inverse, on va le faire dans le bon sens par rapport au bloc vu du dessus. Donc l'échappement en haut, l'admission en bas, ce sera plus facile. Donc déjà on va le mettre au point Moreau. Donc avec ma clé de 14 on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on le met pile poil en face du T. Donc là, on devrait avoir les cams qui se regardent. Alors, jeu des soupapes. Tournez le vibrequin dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Lorsque le piston atteint le point mort haut de la course, alignez le repère TDC de la plaque de calage sur le repère B de la plaque. Donc là, ils sont repérés.
Le piston est au PMH de la course de compression lorsque les lobes de la cam se trouvent dans une position opposée. Oui, sauf que là, c'est pas le cas. Et c'est parti pour les mesures, et croyez-moi, il y a pas mal de surprises sur ce blog. Je pense que clairement ça n'avait pas été fait depuis des années, et je n'ai vu aucune facture ou aucune trace qui indiquait que ça a été fait par le passé. Globalement, je vous mets les résultats, mais j'avais plus de la moitié des pastilles à changer, et j'en ai profité pour que certaines aussi soient pile poil au milieu de la tolérance. Ce que je vais faire là, c'est que je vais m'occuper de changer des premières pastilles de soupape. Alors les pastilles de soupape, si vous le faites, sur le site de la XJR Team, il y a deux fichiers Excel qui sont super bien faits. Alors déjà, il y a une page tuto qui explique comment le faire, hein. Mais il y a deux fichiers Excel qui sont fournis, un pour qui peut servir à plein de motos, et un pour la XJR. Et en fait, il est très très bien foutu ce truc, parce que tu mets les mesures que tu as faites, et tu inscris les numéros des pastilles que tu as, vraiment dans son format sur trois chiffres, et ça te calcule en gros exactement ce qu'il faudrait mettre comme pastille pour avoir un jeu pile poil au milieu de la tolérance. Donc après, il faut adapter, hein. Donc c'est super cool. Donc moi, je l'ai rempli et je l'ai imprimé parce que c'est bien pratique. Et du coup, ça m'a permis de faire un truc, c'est que je me suis fait une liste à côté avec toutes les pastilles que j'ai aujourd'hui, et en me disant ok, cette pastille là, je vais la remplacer par tel numéro. Ce qui veut dire que ça me donne une pastille de taille disponible. Donc je me suis rendu compte que forcément, j'ai fait en sorte de me dire, ben, il y a certains endroits, il y a un endroit par exemple ou deux où j'ai besoin d'une 278 ou d'une 272. Et on ne trouve pas forcément les formats intermédiaires entre AO. D'habitude on trouve tous les 005. Donc là du 002 ou 003 ou ce genre de truc, c'est plus dur à trouver. Donc ben, il y a certaines pastilles, par exemple j'ai du 272 là-dedans, j'ai du 278. Et ben, c'est bien parce que c'est pile poil ce qu'il me faut à d'autres endroits. Donc je vais intervertir certaines pastilles, ce qui est plutôt pratique. Après j'en ai plein d'autres où il me faut des tailles au cinquième, donc parfait, ça j'ai trouvé. Et j'en ai trouvé sur internet qui en vendent au 0025. Donc ça, c'est cool. Donc pour changer les pastilles, il y a deux méthodes. Soit vous enlevez les arbres à cam, c'est franchement plus rapide et plus simple. Mais dans mon cas, vous pouvez aussi vous embêter avec l'outil officiel de Yamaha. Le but de l'outil, il est simple. Il faut mettre la cam vers le bas pour pousser la pastille totalement vers le bas. Ensuite, on utilise cette espèce de petite pièce que l'on visse sur la culasse pour bloquer les pastilles de soupape en position basse. Quand c'est serré, gentiment, on fait tourner l'arbre à cam pour libérer la cam et que la pastille de soupape remonte mais reste bloquée par la petite pièce. Ça nous permettra d'avoir de la place pour pouvoir passer un petit tournevis et un aimant pour pouvoir les faire sauter. J'en avais tellement enlevé que dans mon cas, ça m'a pris quasiment 2 heures pour le faire. Croyez-moi, dans ces cas, enlever les arbres à cam, ça peut être beaucoup plus rapide. Alors j'ai fini les jeux de soupape, elles sont toutes dans les clous, mais peut-être que j'en reverrai certaines plus tard. Parce que bon, des fois tu sais, tu changes la pastille, il y a un peu d'huile qui se met dessous, c'est pas au centième toujours parfait dans les mesures. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont toutes dans les tolérances, parce que là il faut avoir entre 0,11 et 0,15, et je suis à 13, 14, 12, 15, 13, 13, 13, 12. Donc c'est pas mal. Et côté échappement, il faut être entre 16 et 20. Si possible, on m'avait dit d'en mettre. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et globalement, je suis à 19, 20, 20, 16, 17, 18, 16 et 20. Donc j'en ai 2 à 16. Je vais voir. Franchement, je sais que ce blog, de toute façon, je referai des trucs dessus rapidement. Donc là, déjà, elles sont dans les tolérances parce qu'avant, c'était la misère. Ce que je ferai, c'est que la prochaine fois que je rouvre le cache-culbuteur, je referai un jeu de mesure et j'en rechangerai s'il faut. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à avant, il y a quand même un gros écart, surtout sur l'échappement, où avant j'étais à 11, 0, 0, 6, 0, 4, 15, 13, 17 et 12. Il y avait quand même les deux premiers cylindres qui étaient vraiment pourris. Donc ça va être mieux. Donc là, j'ai 5 minutes devant moi. Bienvenue dans la vie où tu cours partout. Donc je vais nettoyer le pan de joint du cache-culbuteur et remettre le cache-culbuteur. Comme ça, après, vraiment, j'aurai plus qu'à me lancer dans la réinstallation de la boîte à air et de la rampe de carbu, et on pourra démarrer. Ah,
Ça y est, de mon côté, il est en train de se casser la gueule. Ah, ça y est. Donc là, il est en train de se barrer parce qu'il s'est coincé. Bon. Donc là, il s'est cassé la gueule. Donc on va le poser sur le plan de joint. Et oui, parce qu'il a touché les... Évidemment. Même les têtes de vis, certaines, elles ont souffert. Donc là, on va les serrer très gentiment. Il y a plusieurs choses à remonter. La cuve, les joints et tout ça. Donc pour ceux qui n'ont pas compris comment fonctionne un carbu, en gros, c'est pas forcément très complexe. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez le côté qui va vers le bloc. Et ça, c'est le côté boîte à air. D'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au fond, vous allez avoir la cuve qui va se remplir d'essence, tout simplement en arrivant par ici. Ici, c'est là qu'on trouvera cette pièce-là qu'il va falloir que je remplace, qui est en gros le siège de pointeau. Donc l'essence arrive par une durite sur le côté, va arriver là-dedans, se fait filtrer par ça, et est bloquée par le pointeau. Le pointeau, c'est cette petite pièce qui va dans le siège. Quand il n'y a pas assez d'essence dans la cuve, le flotteur descend et tire sur le pointeau, ce qui fait tomber de l'essence. Et le flotteur, quand on le règle correctement, du coup, il faudra qu'on le règle tout à l'heure, quand on le règle correctement, arrive un moment où il y a suffisamment d'essence, il pousse le pointeau qui referme l'arrivée d'essence. Donc ça permet de remplir de l'essence dans la cuve. L'essence, elle est aspirée par deux trous. Il y a celui-ci qui sert pour le ralenti et celui-ci qui sert pour l'injection normale quand vous tirez la poignée. Donc en gros, par le ralenti, c'est ce petit gicleur ici qui va là, qui fait arriver l'essence à l'intérieur. D'accord ? Ça remonte, je ne sais plus où, mais ça va à l'intérieur. Et est mélangé avec une certaine quantité d'air qui passe par là, qui arrive... qui est géré par cette vis de richesse ici, et qui repart dans le moteur, par ce petit trou. Quand vous tirez l'accélérateur, vous ouvrez les clapets, d'accord, qui sont bien synchronisés tous les quatre, ça fait partie d'une démission, et ça permet d'aspirer l'air, et au travers du support, enfin c'est, je ne sais plus comment ils appellent ça, un émousseur, enfin bref, le gicleur principal en gros, ça fait sortir l'essence par ces petits trous. Sauf que ces petits trous-là sont bouchés par l'aiguille au niveau... du boisseau qui est ici. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez tirer l'accélérateur, ça va générer une dépression grâce à cette espèce de joint, en gros, qui va faire remonter le boisseau en hauteur, ce qui va faire remonter l'aiguille dans le gicleur principal et permettre de se faire sortir plus ou moins d'essence. Alors, pour remonter ça, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, on peut remonter le gicleur principal. Le gicleur principal qui est ici, vous verrez, il y a une espèce de petit éton ici à l'intérieur qui va sur le côté où on voit la fente, qui permet de ne pas se tromper de sens. Ensuite, il y a cette petite vis. Vérifiez bien qu'elle soit propre et qu'elle ne soit pas bouchée, avec sa petite rondelle. On serre sans abus. Hein. Donc j'en ai acheté d'autres et on va en mettre des tout neufs. Donc lui, je l'ai défoncé pour le sortir, hein, il était tellement collé, je vous imaginais pas. Donc ça, voilà le nouveau. Donc le nouveau, on le met là. Voilà, donc ça, ça rentre. On a une petite patounette et une vis en laiton. Bon, je suppose que c'est du laiton ou un truc du genre. Donc il faut un tournevis en PH2, je vous invite à acheter du matos qui va bien. Parce que à l'aller, je les ai pas mal abîmés. On serre gentiment.
Donc là on a ça. C'est ici qu'il y aura le pointeau. Donc ça c'est l'ancien. Ça c'est le nouveau. Le pointeau ira à l'intérieur, mais on va le faire à la fin. Ici, c'est là qu'est le guide de starter. Donc c'est cette pièce-là qui contient ce ressort. Avec ça au bout. Donc elle va ici. Et le ressort. Et ensuite, on a ça qui va là. Voilà. Quelle je sais plus quelle taille de clé c'est. La vis de ralenti. Il y a deux choses dessus. Il y a un petit ressort. Il y a une petite rondelle. Et derrière, normalement, il y a un petit joint. Et c'est cette pièce-là qu'il faudra régler pour le ralenti. Alors, de ce que j'ai vu dans la RMT, ça a l'air d'être un tour et demi. Spoiler alerte, c'est une erreur. Donc là, j'ai ma pièce. On la met dedans. Et on va la mettre à un tour et demi. Alors, ouais, note à moi-même, serre-la à un et demi, on en reparlera plus tard. Un demi. Il y a une petite fente à l'endroit pour voir l'endroit où on doit le mettre. On l'insère dedans. On met bien la petite fente en face. Là, il y a 4 vis. Donc on met le ressort qui va dans le chapeau et on pose. Bon, vous inquiétez pas, j'ai des vis qui sont plus jolies tout simplement parce que j'ai acheté quelques vis un peu de manière de plein de tailles différentes. J'en ai une ou deux par-ci par-là qui se sont abîmées sur le truc. Donc le flotteur, vérifier qu'il n'est pas percé, il va du coup comme ça, et il y a dessous le pointeau. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va se fixer ça, on met le pointeau dans le siège, et on a le flotteur là. Je ne vais pas le fixer pour l'instant. Et une fois qu'on a l'axe, il faut qu'on mesure. Donc, dans la RMT, ils expliquent, page 212, mesurer la hauteur du flotteur entre 21,3 et 23,3. Retourner le carburateur. Mesurer la distance entre le pan du joint et la cuve du flotteur. Joint d'étanchéité déposé. Et le sommet du flotteur. Donc là, on peut mettre un nouveau joint de cuve de purge. J'en ai acheté une de rab parce que j'en ai une qui est abîmée. Mine de rien, elles sont excessivement chères, ces vis de purge. Alors, il reste un truc que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est que ici, on le fera à la fin. C'est là que passe le rail qui permet de tirer le starter. Il y a une bille et un tout petit ressort à mettre. Donc je le laisse de côté, on le mettra à la fin. Bien évidemment, quand on aime, on ne compte pas. Il faut faire exactement la même chose pour les quatre avant de passer à la partie assemblage.
Et bien ça commence à ressembler à quelque chose. Donc il faudra qu'on fasse la synchro. Et il reste le starter à mettre. Par contre le starter, il y a des billes. Et il y a ce truc. Il faut faire comme ça. Ensuite il faut faire comme ça. Guigui tombé. La vis. Bon bah c'est le grand moment. On va remettre le carbu. Je pense qu'il faut quand même que je mette la boîte à air avant. Sinon je pense que je vais me faire chier, je pourrais pas la visser. Donc je vais la remettre. Quand même un truc qui m'embête sur la boîte à air, c'est ce truc là qui bouge beaucoup, qui est pas ouf en termes de posture. Si c'est un problème, il faudra peut-être que je prévoie de choper un autre cache de boîte à air ou au moins ces espèces de cornets là. On va remettre ça déjà pour commencer. On se dit que le remontage ça va être facile, croyez-moi ça va être un grand moment. La boîte à air est pas très évidente à remettre et on a assez peu de place pour revisser toutes les vis. Attention à ne pas abîmer le petit reniflard qui part de la boîte à air et qui va sur le bas moteur par lequel s'était écoulée toute mon essence et les quelques autres durites qu'il faut installer. Un conseil qu'on m'a donné, c'est de réinstaller le câble d'accélérateur avant de remettre la rampe, c'est beaucoup plus facile. Et vu que le mien était à changer, voilà. Donc on cale les papillons et on se débrouille. Et là, c'est l'heure du gros moment. Comment réinstaller cette rampe? J'en ai galéré pendant plusieurs heures avant de trouver la bonne méthode. Là, ce que j'affiche, c'est même pas la bonne. J'avais éteint la caméra tellement ça m'avait énervé. Mais globalement, je vous montrerai comment faire si j'arrive à le refilmer un de ces quatre. La blague, c'est comment vous faites? Quand la rampe est en place, et croyez-moi, c'est pas facile quand les pipes d'admission sont toutes neuves, on peut remettre la boîte à air. Pas en très bon état. Pensez si possible à remettre les colliers correctement avant de la repositionner, ça vous évitera de devoir l'enlever et recommencer. On peut remettre aussi les deux cornets pour le refroidissement du moteur. Sûr en fait. Donc on va peut-être les remettre lui. Donc là, il y a un clip. Et enfin, le radiateur d'huile est clairement là, on touche au but. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on remet la poignée d'accélérateur hors caméra et on se prépare à aller démarrer la moto. Mais ça sera pour la prochaine vidéo qui sort dans quelques jours.